entièrement à Jésus-Christ. Amen. En tout cas, il a donné, parce qu'il a accepté Jésus et puis donné sa vie. Moi, pour moi, là, en tout cas, il a pris ma sale vie, il a fait de moi sa servante. Vraiment, quelle grâce. Moi aussi. Amen. Et ils sont en train de parler, comme papa l'a dit, aujourd'hui, c'est une responsabilité pour lui. Et je compte aussi sur vos prières, les papas et les mamans, les servants de Dieu, serviteurs de Dieu. Et j'en ai vraiment besoin parce qu'ils sont assis en train de me guetter. Il a dit, vous pensez que s'il venait un homme. C'est quand tu viens un homme que tu peux reculer. Mais quand tu viens à Christ, c'est différent. Mais quand tu viens à Christ aussi, il faut savoir à qui t'accrocher. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce, je connais papa. Donc, j'ai dit comme ça dans la chanson, quand je me suis retirée, parce qu'après avoir dit que je ne veux plus être de ce monde, parce que vraiment, j'ai reculé pendant 3-4 mois, le Seigneur m'a dit, non, ressort. Tu vas aller expliquer tout ce que tu as fait là. Il ne t'a pas fait sortir pour que tu puisses te cacher. Pourquoi aller te cacher? Vous allez dire ce que tu as fait aux enfants des gens et puis ils sont en train de vous suivre là. Alléluia! Donc, je suis revenue et les gens ne croyaient pas toujours. Et c'est là que j'ai sorti le chant. Je croyais que mon âme était à toi, Satan. Quand tu veux la régie. Alléluia. Il est écrit dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Le diable transportant encore Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu crois que mon âme est à toi. Mais là, est-ce que tu peux te lever servir vers les yeux? On va chanter la gloire de Jésus. Je t'ai à toi, Satan, je t'ai eu, je t'ai eu. Et au nom de qui? Je t'ai eu, je t'ai eu. Au nom de Jésus, je t'ai eu, je t'ai eu, je t'ai eu. Assis sur son trône de gloire, il dit je reste fidèle à la promesse que je vous ai faite. Alors ne craignez point, car quiconque aura tout quitté à cause de mon nom, recevra le sanctuaire, héritera la vie éternelle au nom de Jésus. Yo, je t'ai eu, je t'ai eu. Au nom de Jésus, Satan a une maladie. Badabri kanyo, ye yo di wo, yo di wo. Moi j'ai vu dans ton système, tu as dit les plus faibles, tu les fais rêver. Tu fais croire que t'as le pouvoir de donner la gloire. On fait une gloire éphémère, un semblant de sommet. Et tu laisses tomber. Mais pour mon Jésus là, et pour lui sa bénédiction là, y'a pas de problème derrière. J'ai dit mon Jésus là, et doué. C'est doué. Ah, c'est doué. Tu croyais que mon âme était à toi. Ah, mais là je t'ai eu. Alléluia, je t'ai eu. Tu croyais que ma vie était à toi, Satan. Je t'ai eu. Comme ça, je t'ai eu. Au nom de Jésus, je t'ai eu, io, io, io. Au nom de Jésus, maladie, échec, je t'ai eu. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Veuillez la gorille, on va nous rire. Mora gode, mire, mora di bode. Abrama la gorille, on va nous rire. Mora manier de mire, mora di bode. Veuillez la gorille, on va nous rire. Mora di bode, mire, mora di bode. Bafoua, je t'ai eu. Je t'ai eu. Je t'ai eu.
chante, j'ai été élu. Est-ce que tu peux dire comme ça? Est-ce que tu peux dire Satan qu'on a eu au nom de Jésus? Au nom de Jésus, j'ai été élu. Satan a eu maladie, j'ai été élu. Si tu sais que tu as la victoire en Jésus, pousse les cris de joie. Alléluia. Plus haut des cieux. Dans la vallée de l'homme de la mort, je n'ai créé aucun mal. Quand il est avec moi, sa houlette est son bâton de rassure. Alléluia. Je t'ai eu. Alléluia. Désormais, là qui est chef, désormais tout ça, c'est pour Jésus. C'est plus pour eux. Désormais, je suis bien vêtu, je suis plus nu. C'est Jésus qui a fait le sang. Shalom. Amen. Oh là 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 là, je suis venu ce matin. Amen. Merci. Amen. Papa. Soyez bénis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Voilà ce que Jésus doit faire dans ce pays. Il faut que dans ce pays, notre évangile touche le sommet. Est-ce que vous m'écoutez? Ce matin, si tu reçois quelque chose, il ne faut pas aller t'asseoir quelque part en train de manipuler les gens pour prendre dîmes. Non, tu dois toucher le sommet. Vous savez, homme de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu, quand tu dois arriver où tu ne cherches pas dîmes, mais dîmes te cherchent. Tu dois arriver à une dimension où les gens, même ils ont l'offrande, ils t'attendent pendant des jours pour que tu prennes leurs offrandes. Tu dois arriver à un niveau où ce n'est plus cette histoire de je vais payer un terrain, mais tu arrives à un niveau où tu vas même te poursuivre. Tu dois arriver à un niveau où à l'aéroport, tes passeports doivent s'aligner comme ça, entasser parce que tu voyages tellement. Ça va t'arriver à un niveau où des gens ils doivent appeler ton nom pour voir Jésus. Le Dieu de telle personne doit agir dans ma vie. Et ce matin, c'est de ça qu'il va s'agir. Luc 4. Verset 13 au verset 15. Après l'avoir tenté de toutes sortes, ou bien, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Après avoir été tenté, dit tenté, prophète Ézéchiel, Dieu te bénisse encore pour ta place que tu as donnée pour le mouvement, les pasteurs et tout, que Dieu te bénisse, tu bénis ton ministère. Après avoir été tenté, répète. Après avoir été tenté. Jésus a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Et sa renommée se répandit dans tous les pays de l'alentour. Et c'est après ça qu'il a commencé à enseigner dans les synagogues. Et tous le glorifiaient. Pasteur, je vais te choquer. Parce que l'évangile que je prêche des fois, ça brûle.
Moi, je suis un pur produit d'assemblée de Dieu. Depuis l'âge de 8 ans, assemblée de Dieu jusqu'à ce que je sorte pour entrer dans le ministère. Je veux que vous compreniez ma logique. On ne peut pas être assemblée de Dieu à un certain niveau. Moi, mon grand frère m'a mené dans le Seigneur était l'un des responsables de l'assemblée de Dieu. Donc, déjà très tôt, nous, on côtoyait pasteur. J'avais même pas encore 11 ans que le quatrième dimension de Longue Show, j'ai lu. Rebecca Brown, Préparer la guerre, j'ai lu. Et ce livre-là, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça ici. L'homme spirituel, Watchman Nee. C'est-à-dire que si tu es vraiment un homme, il y a des livres là, quand tu cites, on sait que vraiment, ce n'est pas les histoires que les gens regardent et disent non. Mais écoutez, l'évangélisation qu'on faisait par les écrans, les projections, tous les vendredis, pour ouvrir une église, comment on fait? Moi, je connais tout ça parce qu'il y a l'Assemblée de Dieu. De la cellule à l'église, à l'évangélisation, tout. J'ai appris très jeune. Mais quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'a dit, je t'envoie pour quelque chose de spécial. Si tu restes là, tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi il m'a fait sortir. Et effectivement, aujourd'hui, si j'étais resté assemblée de Dieu, je n'allais pas faire ce que je fais. Parce que le ministère des prophètes, ça demande beaucoup de choses. Mais c'est une très bonne base pour moi aujourd'hui. Ça fait que quand je vais jusqu'à arriver à cette heure, non, ça, je ne peux pas faire. Parce qu'il y a quelque chose, le socle est solide. Première des choses de l'onction, pasteur, d'où tu viens est important pour savoir où tu vas. L'échec dans l'onction peut dépendre de ton origine dans la formation ou bien dans la fondation. Beaucoup de pasteurs, ils ont mal démarré la chose de Dieu. Tu es allé dans une église, on t'a donné révélation, on a prophétisé sur toi, tu as fait 21 des jours de jeûne et tu as commencé l'église. Tu ne sais pas ce que c'est que coup de baptême. Tu ne sais pas ce qu'on appelle l'évangélisation. Il y a une différence entre l'exhortation, la prédication, l'enseignement et l'évangélisation. Il y a des gens que je regarde, ils ont l'argent, ils font podium, ils prêchent des messages là. On ne prêche pas moralité dans le stade. Ce n'est pas ce temps de dire à quelqu'un qu'il faut vivre une bonne vie. Non, dans le stade là, on prêche Jésus-Christ. Il y a un miracle, les gens viennent à Jésus, point. Ça c'est l'évangélisation. Mais quand tu n'as pas appris, et puis tu as eu la gloire, quand tu as eu la gloire, tu dis c'est parce que vous péchez que Dieu ne vous élève pas. Si vous voulez que Dieu vous élève, vous faites comme ça. Ce n'est pas évangélisation, ça c'est exhortation. Le jour où quelqu'un décède dans ton église, dans l'église, il n'y a pas seulement la vie, il y a la mort, il y a naissance, il y a mort, il y a funérailles, il y a tout ça. Est-ce que tu sais comment on prêche à une veille funèbre? Et tous tes chrétiens là, un jour, un va mourir. Tu vas l'accompagner comment? C'est là que tu as transformé maintenant la veille là, en ton église. Quand tu vas au cimetière, comment on met une personne dans la tombe? Tu ne connais pas. Enfant naît, on dit on fait baptême. Nous, les chrétiens évangéliques, on ne connaît plus ces choses. Comment on prépare les fiancés au mariage? On ne connaît pas. La source des divorces évangéliques ne vient pas du problème du mariage, de ce que les gens ne s'aiment pas, mais parce qu'ils se sont mal mariés.
on ne connaît pas. Quand tu prends un micro, tu donnes à quelqu'un, il veut faire DJ tout le temps. Recevez, tout le monde tombe, tous les jours on ne tombe pas. Un grand leader n'est pas forcément quelqu'un qui fait tous les jours des miracles. Il y a des moments là, il faut le faire asseoir, il faut le nourrir. Il y a des moments là, il faut le parler. Il y a des moments, il faut faire miracle. Mais toi, tous les jours, quand on vient là, tu as délivré tout le monde jusqu'à les démons qui n'existent pas, tu cherches encore. Puisque tu dis que Dieu t'a donné le ministère de délivrance. Donc quand toi tu viens comme ça là, tu dois délivrer. Et le jour où il n'y a pas de démon, il faut que tu trouves. Mais si tu as fini de délivrer la personne, mais quelle est la prochaine étape pour que la personne avance? Donc, toutes ces erreurs font que on ne sait pas utiliser l'onction. L'onction que tu utilises mal te donne de mauvais résultats. Et nous refusons de nous asseoir au pied de quelqu'un pour nous aider. C'est notre tard. On refuse. Oh, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Ça ne suffit pas. Église évangélique. Il y a certains responsables qui ne peuvent pas s'asseoir dans ton église. Parce qu'ils ne pensent pas que ceux qui s'assoient assis et puis t'écoutent là, ils ne sont pas intelligents. Ta réflexion, tes analyses, c'est sur ça que les gens te pèsent. Toi, tu vois papa de quelqu'un qui arrive, tu dis, oui, je suis ton père. Tu as 22 ans, tu as onction, tu l'as fait tomber, son démon est sorti, je suis ton père. Il te regarde et dit, hey, mon fils, si ce n'est pas fait de Dieu, bon. Mais si tu travailles et puis lui-même il regarde, dis non, cet homme-là, je dois me soumettre à lui. Tu vas te tourner un matin, il va te dire, c'est vrai, tu es mon fils, hein, mais maintenant, tu es mon papa. Amen. Acclamez si vous voulez acclamer. Mais comme tu ne connais pas le travail, tu mets tout dans brutalité. Donc, pardon, c'est vous perdez des âmes de foi à cause de ça. Parce que vous avez l'impression que tout doit se soumettre à vous. Non, pas à vous, mais à Jésus. J'ai fait quand même beaucoup de fédérations dans ce pays, par la grâce de Dieu. J'ai été secrétaire national chargé du réveil au niveau des Sinépécies. J'étais l'un des membres fondateurs du mouvement Allons et le mouvement Joël de 28. Et le mouvement que je dirige aujourd'hui, le mouvement Allons tout le réveil, est devenu un mouvement international qui a son actif des milliers de pasteurs. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on se rassemble pour rien. C'est pourquoi moi, j'ai dit maintenant, j'ai prêché mon évangile. Ben, comment on se rassemble? On parle beaucoup. On ne va pas sur le terrain. Si tu as l'onction, la première mission de l'onction, c'est l'évangélisation. C'est-à-dire que quand tu as l'onction et puis tu ne peux pas te mettre sur le terrain, dans un petit quartier déjà, pour vous rassembler, faites une veillée ensemble. C'est là-bas que ça nous, ça marche. Hein? Vous êtes rassemblés. Vous devez, ce n'est pas avec l'argent forcément. Où là, le prophète envoie certains baffes, l'autre envoie d'autres baffes. C'est comme ça que nous avons fait Joël de 28. L'autre, toi, tu as deux tambours, on même nous a pris ensemble. Hein? Tes enfants envoient leurs chaises, nous on voit leurs chaises, on loue ensemble. Il y a des veillées, même nous on a fait. Mais quand les gens disent vraiment plus Figaro, là, est-ce qu'ils ont appris Figaro? Nous, au temps de Joël de 28, 2004, 2003,
Ce qui sont ceux qui ont vécu ça. Mais nous, Figaro, on bloque la route. Figaro est rempli jusqu'à vers Cyprès, il n'y a pas de route. Mais pourtant, on n'avait pas ces produits, mais il n'y a pas d'éclairage, même, ce n'est pas de qualité. On a fait des veillées dans ce pays où les chaises sont entassées, tu vas louer ta chaise pour venir à la veille. Nous, on ne loue pas veiller pour que chaise pour quelqu'un. Et quand tu as la puissance, quand tu as l'onction, c'est ça. Et on se mettait ensemble. Et Dieu se glorifiait. Il y avait la puissance de Dieu. Quand on faisait le réveil ici, on voyait des gens. Mais attends, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, les veillées de prière sont devenues presque un truc où on adore l'homme, on présente l'homme, Jésus même. C'est presque un spectacle. Hein? Maintenant, on est en concurrence avec les artistes du monde qui font spectacle. Et même, ils n'ont plus le podium. Podium pour prêcher Jésus, là. Ça peut sauver des âmes dans plusieurs quartiers. C'est pas ça. L'évangéliste Renan Bonke, qui a eu beaucoup de milliards, tu ne vas jamais voir ses podiums. La plateforme, il est dessus. Alléluia, il prêche, des millions d'âmes sont gagnées. Ça, là, je vais enlever ça dans ta tête. C'est pas ça. Il ne faut pas aller chercher l'argent pour monter gros podium pour dire qu'il a fait grand programme. Grand programme, c'est ce qui s'est passé dedans. Amen. Comment Dieu agit dedans? Donc dans ce quartier, vous pouvez prendre tout ce quartier. Si chaque mois, vous venez dans un petit quartier, vous faites votre veillée, vous êtes ensemble, chacun 20 minutes, 30 minutes. Ceux qui savent chasser demain va chasser demain. Ceux qui savent prophétiser va prophétiser. Ceux qui savent chanter va chanter. Alléluia. Gloire à Dieu. Si on a fait offrande, on a eu ces ça. Si on a rien eu aussi, gloire à Dieu. Vous parcourez les quartiers, vous allez être étonné que les gens vous suivent. Parce que ce n'est pas s'asseoir. Vous savez, l'un des mystères que j'ai découvert dans la Bible, et que je partage avec... j'ai beaucoup de mes collègues qui ne me supportent pas parce qu'ils disent, moi, ils disent la vérité. C'est comme ça, voilà. J'ai beaucoup de mes amis arrivés à un certain niveau là. Ils me suivent. Ils viennent, regardent mes vidéos, ils écoutent. Ils prennent ce qu'ils peuvent prendre de même. Mais ils ne me supportent pas parce que moi, ils exposent tout. Je ne peux pas accepter. Parce qu'on a payé le prix. Je ne peux pas accepter qu'on vous présente l'évangile du luxe. Moi, je ne peux pas accepter. Même quand tu n'as pas l'argent là, moi, Dieu ne peut pas t'utiliser. Non. Ça montre aujourd'hui comme si tu n'as rien, tu n'es pas bon pasteur. Et vous ne craignez, ne respectez que les gens qui ont un peu de moyens. Ils sont venus il n'y a même pas 10 ans et puis ils se font peur. Parce qu'ils ont fou, ils ont beaucoup de ruse, ils ont l'argent. Non, c'est pas ça qui fait de toi un père. Tu as déjà vu quelqu'un qui a construit une grosse maison, qui n'a pas d'enfant dedans, qui dit je suis papa? Non, c'est les enfants que tu as fait là. C'est à cause de ça qu'on dit tu es père. Donc vous devez retourner à l'essentiel. D'abord, est-ce que moi-même, quand je fais tout ce bouquin-là, Dieu en moi, un, j'ai la chose de Dieu. Est-ce que l'onction est là? Pasteur, Dieu cherche des gens percutants dans ce pays. Je peux te rassurer, actuellement, la grâce est disponible et disposée. Si quelqu'un se fait un peu sérieux, Dieu va l'utiliser. Parce que les ténèbres envahissent le pays, Dieu cherche des gens. C'est pourquoi sortez de cet esprit de... Si un pasteur te dit qu'il est milliardaire, bon pour lui, laisse-le. Mais écoute, Dieu n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'un pasteur milliardaire. On a besoin d'un pasteur qui prêche le salut. Un pasteur, quand il se présente, le ciel, alléluia, descend sur la terre. Un pasteur, quand tu l'écoutes dans ton salon, tu veux te mettre à genoux en même temps pour lui, Jésus-Christ est Seigneur. Pas un pasteur qui te donne envie d'aller voler. Mais écoute,
Si tu ne peux pas aller travailler pour avoir ce qu'il a, tu as fait quoi? Tu as volé. Si vous voulez l'onction, le pays est là. Vous allez prendre l'onction, vous faites quoi? Il faut gagner le pays. Koweït là. Vous devez gagner Koweït. Et d'ailleurs, on va se organiser. On va faire une croisade ici. Amen. 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 On va faire une croisade peut-être de 3 jours. Alléluia. On va faire une croisade de 3 jours. On va s'organiser ensemble. Vous allez, l'évangile, c'est pas par la force. Prêchons Jésus. Arrêtons toutes nos histoires là. Prêchons Jésus. Si tu as reçu l'onction ce matin, on dit pour être efficace dans le ministère, tu veux être efficace, va prêcher Jésus. Les conférences on a fait. Combien de réunions? Mais on est toujours au même niveau. Mais moi-même, je me pose la question, comment est-ce que nous, on peut se rassocier, nous, pasteurs, et puis après, on va au gouvernement, on va quelque part, et puis on va en Israël. À cause de ça, on maintient les gens. Parler seulement en Israël, à cause de ça, là. Oh, tu aussi. Non, regarde à quel niveau tu es descendu. Alléluia. Moi, je ne suis jamais allé en Israël. Mais Dieu m'utilise. Hein? Alléluia. Non, je ne suis jamais allé en Israël. Et puis, je n'ai pas honte. Mais pourquoi même? Si je me lève aujourd'hui là, je n'ai pas besoin de visa. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je vais aller en Israël revenir. Mais pourquoi je vais avoir l'impression que si je ne suis pas allé en Israël là, c'est comme si je ne suis pas béni. Ah, Dieu m'a béni, hein. C'est quoi ça là? Là où il a mis l'évangile dans ce pays? Tu es prêt pour l'onction? Alléluia! Vous n'avez plus, groupe d'intercession d'église, il n'y en a plus. Vous n'avez plus, on vous prêche, vous priez trop, vous combattez trop Satan, vous faites trop le combat spirituel, il faut parler seulement. Hey, n'importe qui ne parle pas. Hein. Veillez de prier, tu ne fais plus. Une église qui doit réveiller, doit avoir des veillées de prière. Dans le mois, il te faut au moins une veillée. La nuit de prière est importante dans le réveil d'une église. Il n'y en a plus. Le pasteur dort, les fidèles dorment, tout ce qu'on regarde, on veut construire grand temple. Qui vous a dit une fois que grand temple fait un grand pasteur? Si tu travailles pour Dieu, le temps de Dieu arrive, tu vas t'étonner des choses que Dieu va mettre dans ta main. Parce que tu vas te rendre compte que Dieu bâtit son œuvre. Les gens vont venir comme ça, ils vont construire pour toi. Ils vont te donner. Ils vont faire des choses qui vont t'étonner. Mais tu perds le temps. Réveillons-nous. Ramenons les veillées de prière, les nuits d'intercession. On présente nos cas à Dieu. Hein? Les cellules de prière, là, on ne peut plus faire. Il y a combien de familles qui sont connectées à ton église? Tu ne les connais même pas. Les visites qu'on faisait avant, pour aller rendre visite aux fidèles, savoir comment ils se portent, prier avec eux, connaître leur réalité, il n'y en a plus. C'est bon ce que je suis en partage avec vous? Le réveil est parti. Alléluia. Il y a des gens qui ont ressuscité moi dans ce pays. Mais malheureusement, comme les gens n'ont pas fini là, c'est ça. Mais pourquoi nous ne voulons pas chercher Dieu? Je vous parlais de la tentation. Jésus a résisté à la tentation. Ce qu'il a cité tout à l'heure, c'est la tentation de nos générations. Nous sommes tentés. Tentés à faire comme les autres. Tentés à être comme les autres.
tenter à voir la même chose que les autres. Tenter. Et si tu meurs dans la tentation, tu n'auras jamais l'onction. On dit Jésus, après avoir été tenté, la puissance de l'esprit l'a revêtu. Donc c'est après qu'il ait gagné la bataille de la tentation que l'onction est venue. Si tu n'arrives pas avec la tentation, tu n'auras pas la puissance. Jésus allait jeûner 40 jours. Il a fini le jeûne, il n'est pas un. Après son jeûne de 40 jours, l'onction n'est pas venue. Après son jeûne de 40 jours, le diable s'est présenté, l'a tenté. Et la Bible dit que c'est quand il a résisté à la tentation, le diable s'est éloigné de lui. C'est quand le diable s'est éloigné de lui que l'onction est tombée. Et il regarde dans ta vie combien de fois tu es tenté, le diable te tente. Et tu veux céder à certaines choses parce que tu dis, je vais faire comment? Tu veux céder à certaines choses, tu veux te compromettre, tu as envie, tu oublies qu'il y a quelque chose qui t'attend, que Dieu veut t'utiliser. Et Dieu n'utilise pas une personne qui ne résiste pas au diable. Écoute, Dieu ne va pas s'attaquer au diable pour toi. Dieu ne va pas te défendre devant le diable. Dieu t'a donné l'habilité de le chasser. Vous résisterez au diable et il fuira loin de vous. C'est ce que la Bible a dit. Donc toi, il ne faut pas dire Dieu me protège. Non, ce qu'il t'a donné te protège. C'est pourquoi toi-même, quand le diable se présente sous n'importe quelle forme, tu dois avoir la capacité de le résister. Si tu veux l'onction, combien de fois tu as résisté à la tentation? La tentation de l'argent, la tentation du péché, la tentation de l'orgueil, la tentation du grand nom, du grand quelqu'un, les gros titres. Les gros titres tuent l'onction. Des fois, nous autres, je me bats même des fois pour enlever cette croix. Des fois, vous allez voir seulement Féa. Parce que le prophète, des fois, c'est lourd. Comme ce ministre, tu as fait comment? Donc, vous allez voir dans mes communications, je dis à mes enfants, pardonnez, enlevez. On dit révérend, on dit enlevez, révérend prophète. C'est trop, tout ça là pour moi seul, enlevez. Comme des prophètes, enlevez, mettez fait là seulement. De Dieu, ça suffit. Et des fois, mes amis, prophète là même, c'est lourd. Maintenant, toi, tu as tout combien de titres? Hein? Tout ça c'est la tentation. On est tenté à avoir le grand nom, le pompeux. Donc on se donne de ces choses et l'onction est loin de nous. La tentation de l'accuser. Le diable m'accuse, hein? C'est le pasteur qui accuse. C'est-à-dire que tu vois comme pasteur bat comme ça quelqu'un qui me fait l'honneur et qui m'invite, comme dans ma tête, il y a un esprit, pour prendre les gens qui sont là, pour qu'ils me suivent sans lui, je commence à voir ses défauts. Pasteur Bam, est-ce qu'il est... Quand quelqu'un vient me dire, ah, c'est vrai, Pasteur Bam, nous avons chez toi, mais c'est toi le meilleur, ah bon? Tu commences à critiquer, et je l'accuse. J'accuse. Tu accuses. Voilà, tentation. Pasteur accuse pasteur. Toi, tu es pasteur, et puis tu accuses ton frère pasteur. Hey! Oh. Comme si toi tu as fini de traverser. Rivière que tu n'as pas encore fini de traverser. Et puis tu es au milieu. Et puis tu te moques de celui qui n'a pas encore monté. Faut arriver d'abord, puis on va voir si le canon t'a pas pris. Comment tu peux t'amuser à critiquer ton collègue dans le ministère? À le dénuer, à la déshabiller, à le déshabiller devant des chrétiens, devant des gens, tu gagnes quoi? Mais c'est que tu es vilain dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qu'on fait. Oui, j'ai appris que, on m'a dit que, est-ce que tu sais que, tout ça là, tu sais ce qui va t'arriver demain? C'est la tentation.
Et le diable nous tente tous les jours. Et on ne résiste pas à la tentation. Il y a un très grand pasteur, il est déjà décédé, le plus grand pasteur aux États-Unis. Et ils sont venus nous parler du péché d'un autre. Il a dit, s'il est tombé, c'est que nous tous sommes tombés parce que nous sommes une chaîne. Dans une chaîne. Si un tombe, tout le monde tombe. Donc il dit, éloignez-vous, je prie pour lui. Et j'ai besoin de lui parce qu'on doit être ensemble pour ne pas que cette génération tombe. Donc toi, ton camarade, il y a d'autres même là. C'est leur leader, mais il y a d'autres même qui critiquent. Quel courage tu as. Tu accuses. Mais s'il est tombé, tu es tombé. S'il est tombé, vous êtes tombés ensemble. Ce n'est pas lui seul, il ne faut pas croire que c'est lui seul. C'est vous tous. C'est ce qui est arrivé dans l'église évangélique dans ce pays. Tu penses que quand tu tires sur le béni de Dieu, là, c'est lui seul qui gagne. Non, tu tires sur l'évangile. Parce que même si toi tu ne m'aimes pas, il y a des gens qui m'aiment. Et tu ne vas pas empêcher les gens de m'aimer. Si tu ne crois pas au ministère, il y a des gens qui croient au ministère. Tu ne vas pas les empêcher de croire au ministère. Maintenant, si tu tires, tu détruis l'œuvre. C'est la tentation qui est là. La tentation de l'orgueil. Oui, il y a plusieurs que je vois qui paraissent être humbles, mais sont orgueilleux. Ils ont le caractère, ils ont orgueilleux. Du moment où tu prêches l'évangile pour exposer les autres, pour te montrer comme toi tu es le meilleur, tu n'es pas normal. L'union ne fait pas le réveil. C'est l'unité qui fait le réveil. Il y a une différence entre l'union et l'unité. L'union, on est différent, on se met ensemble. Quand on finit de faire ce qu'on veut, chacun retourne dans sa base. Mais l'unité, on abandonne nos différences, nous sommes même chose, nous disons le même langage et nous faisons la même chose. Et c'est l'unité seule qui peut faire le réveil. Quand tu commences à regarder l'autre quand il est petit, par rapport à quoi tu dis il est petit? Si Dieu t'a fait grâce, tu as 10 000 pasteurs, c'est une grâce. Mais l'autre aussi, là, il a 50 fidèles, mais Dieu lui a fait une grâce que tu n'as pas. Et ce travail dans ce pays-là, on ne le ferait pas si des gens sont individualistes. Ils sont pompés, orgueilleux. Nous, les gens de même race, on est ensemble. Quelle race? Il y a une seule race, la race de Christ. Si toi tu as créé ta race, moi je ne sais pas où tu as pris pour toi. Eh bien, je vous appelle à l'unité. Mettez-vous ensemble. Quand tu es au sud, il disait qu'il y a d'autres mouvements qui sont venus se mettre avec eux. C'est ça. Apprenez à vivre ensemble, l'unité. Pour le réveil. Pour la même cause. Toi, tu ne connais pas une onction. Moi, j'utilise une onction. Et puis tu veux pas t'asseoir avec moi. Est-ce que mon onction, là, c'est le nom du diable que je fais? C'est au nom de Jésus. Maintenant, si tu ne connais pas la pauvre, moi, les questions vont causer. Vois, est-ce que ce n'est pas biblique? Si c'est biblique, bon, mon frère, je ne connaissais pas. Comment on va se compléter? C'est tout. Il ne faut pas t'asseoir pour dire que je ne vends pas une, mais je connais quelle nous donc est utile. Quand tu regardes ma tête, je ressemble à un connaissant. Acclamez le Seigneur. Mais le problème des gens, c'est que ils ont affaire à une personne. Et ils attaquent toute une corporation. Et ils pressent des choses plus que eux, ils ont le corps. Leur monte, voix monte. Et ça salit encore plus le corps du Christ. Parce que c'est toi qui l'as dit. Quand un grand pasteur dit que les pasteurs sont des pécheurs, mais il dit qu'il ne parle pas aux chrétiens seulement. Il parle à tout le monde, aux païens. Et regardez aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, les musulmans prennent vos prédications pour prêcher contre vous. Oui, c'est son pasteur même qui a dit. C'est bon ce qu'on est en train de faire maintenant.
Et si vous ne vous réveillez pas pour sortir dans ça, je sais qu'il y a des gens ici là, on les a invités, ils disent, moi je ne viens pas. Mais un frère béni de Dieu là, son affaire n'est pas claire. Si ce n'est pas clair, viens t'asseoir, Saint-Esprit n'a qu'à te dévoiler. Et puis tu regardes bien, tu as vu, tu dis, bon, prophète, Dieu m'a dit que tu es un sorcier. On va me délivrer. Comme c'est toi Dieu a dit là, je me mets à genoux. Il n'y a pas de problème, mais tu me délivres. Et puis je suis bon pour le royaume. Ou bien. Il faut qu'on arrête avec ça. Le diable, il y a tellement la tentation. Tellement. Nous sommes tentés tout le temps. Donc si tu n'as pas vaincu la tentation, l'onction ne viendra pas. Quand tu es dans la saison de l'onction, la chose importante qu'il faut vaincre, c'est la tentation. Le diable va te tenter. Hein? Vous voyez, pasteur Barret, il fait des efforts. Actuellement, quelqu'un peut venir pour dire, bon, pasteur Barret, je vais te nommer responsable de telle chose. Tu as commencé à voyager, à aller aux États-Unis, et puis tu vas t'occuper de mon truc, tant. Tentation. C'est-à-dire, le temps qu'il y a pour les pasteurs, pour Dieu rassembler nos prions, pour quand il y a le réveil, quelqu'un va voler ça, pour lui donner peut-être salaire de 200 000, 300 000, pour poser aux États-Unis, et puis il va vous abandonner, il va partir. C'est la tentation. Au port de l'onction, c'est des choses comme ça. Quand l'onction est mûre, la tentation à la porte. Quand, c'est comme les gens qui marchent avec des grands leaders. Tu marches avec un leader, tu prends le pied jusqu'au moment où l'onction va tomber sur toi. C'est là maintenant que le désordre, on t'empoisonne l'esprit. Et puis tu commences à regarder la personne que tu adorais hier comme un diable. Au fait, le diable veut te déconnecter. Il sait que tu ne vas pas prendre sa tentation. Oui. La tentation est partout dans votre maison. Quand même des fois, la femme avec qui tu as souffert, je ne prierai pas, ça n'allait pas. Quand paf, le temps est arrivé pour que ça marche, tu commences à avoir des songes. Les gens croient, ah, j'ai vu la vieille, elle a fait manger tous les chrétiens. Ça coûte dans l'église, elle n'avance pas. Tu es tenté. Tu vas rater l'onction. La tentation te ferme la porte de l'onction. Tu as lutté, tu as prié, tu as jeûné, tu es à la porte, et puis la tentation. Écoutez, il y a certaines races de personnes. Faut pas, écoute, moi j'ai commencé à avoir des discernements. Quand tu me parles, puis dans ta bouche, je sens l'accusation. Tu ne t'approcheras plus de moi. Ça peut me fermer une porte. Écoute-moi, homme de Dieu, ton cœur est très important. Hein? On ne fait pas l'œuvre de Dieu à la tête, on fait l'œuvre de Dieu à le cœur. C'est pourquoi on ne met pas son cœur dans la main de tout le monde. Qui manipule ton cœur, ça joue dans ce que tu as produit. C'est pourquoi la tentation, c'est l'état de ton cœur. Veille sur ton cœur. C'est la tentation. Amen. Alléluia. Que Dieu te donne la force pour vaincre la tentation. Mais écoute, je suis avec vous aujourd'hui. Dieu me dit, quitte les États-Unis, viens en Côte d'Ivoire. Donc, qui on se bat ici pour aller aux États-Unis, toi? Tu vas laisser les États-Unis pour venir t'asseoir en Côte d'Ivoire. Et j'ai tout. Je peux vous dire, j'ai tout. Pour être bien. Et puis j'ai une main encore mise sur le Canada. Bien. Mon Canada, quand je prends mon avion à Washington, j'ai 3 heures, je suis au Canada. Donc ça là, c'est encore plus facile. Dieu me parle. Mais je fais comment ma famille? Je fais comment mes enfants? Je fais comment? La tentation est grande.
Et c'est au même moment là que on me fait une proposition, la banque est prête à me donner beaucoup d'argent pour payer une grande église. Bon, aux États-Unis, on ne construit pas les églises comme ça, on les achète. Donc, j'ai dit, ah bon, cet argent-là, est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train de travailler? Et puis, est-ce que j'ai bien entendu la voix de Dieu? Parce qu'une église à ce montant-là, je ne vous dis pas le montant, si j'ai une église comme ça, je serai peut-être l'un des meilleurs à faire une église comme ça ici. La tentation était là. Dieu m'a fait grâce, j'ai résisté, je suis revenu. Mais il y a des choses que je suis en train de voir autour de moi que je n'allais pas voir si je n'écoutais pas ce que Dieu m'a dit. Quand la tentation vient, c'est pour t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu veut faire avec toi. Et le diable connaît bien ce travail. C'est pourquoi des fois, quand Dieu te parle, ne laisse pas que l'homme te parle. Quand Dieu a fini de te parler, ferme tes oreilles. Parce que l'homme peut t'enlever. Maintenant, je touche à la puissance. Quand tu as vaincu la tentation, la Bible dit que la puissance de l'Esprit a revêtu Jésus. Il y a une différence entre la puissance est en toi et la puissance te couvre. Quand Dieu t'appelle, il met en toi depuis ton levant de ta mère la semence de ton appel. Ça, c'est le « in ». Mais quand Dieu me t'utilise, il met sur toi ce qui va faire que les gens vont te voir. Ça, c'est le out. Le in and out sont importants pour un ministère. L'aller, le sortir, entrer, sortir, c'est important pour un homme de Dieu. Et pour que tu puisses aller, revenir, repartir, il te faut normalement ton appel, mais il te faut un revêtement qui te permet de sortir dans le monde, d'influencer le monde et de revenir toujours en Christ. Et le revêtement dont on parle ici, c'est différent des dons spirituels que tu transportes. Le revêtement est un manteau. Le revêtement de l'esprit, c'est une couverture. Alléluia. Et regardez les descriptions de l'esprit. Au commencement, l'esprit mouvait, on n'a pas dit l'esprit couvrait. L'esprit mouvait au-dessus des eaux. C'est un mouvement de l'esprit pour la création. Mais quand il s'agit de l'en dire, l'esprit l'a revêtu. L'esprit l'a habillé. L'esprit l'a habillé. L'esprit lui a cousu un costume. Si je peux me définir ainsi. Depuis quand tu as vu un policier qui a fini sa formation et qui va dans la rue avec l'habit de maison que lui-même a acheté. Quand il a fini sa formation et qu'il doit rentrer en fonction, on lui donne les habits de police, on lui donne les attributs, on lui donne ses galons. À partir de là, s'il va dans la rue, il dit, prr, quelqu'un va s'arrêter. Mais si tu vois un policier, quelqu'un qui est arrêté, puis siffle, il est dans les bigarreries, et puis il te dit, arrête-toi, tu vas t'arrêter. Qu'est-ce qui fait que tu te soumets à une autorité de police? C'est son habillement. Dans le monde de l'esprit, quand Dieu ne t'a pas habillé, aucun démon ne va obéir. Dans le monde spirituel, quand tu n'as pas de revêtement, il y a des délivrances, il y a des entités qui ne vont pas se soumettre. Ils ne vont pas respecter. Qu'est-ce qui prouve que tu es ça? C'est pourquoi les démons sont allés frapper les disciples. Ils sont allés pour aller chasser des démons. Les démons les ont frappés. Et regardez ce que les démons ont dit. Nous, on connaît Jésus, on connaît Paul. Mais vous, là, on ne vous connaît pas. On va vous frapper. Pourtant, on les appelle disciples. Ils ont le titre disciple. Ils ont la formation disciple. Mais aucun démon ne peut les respecter parce qu'ils n'ont pas le revêtement de disciple. Il te faut le revêtement. Il te faut chercher l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit te revêt, te couvre? Et pour que tu sois revêtu de la puissance,
il te faut véritablement un temps mis à part. Luc 24, à partir du verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Regardez, très bien, ils ont mangé la Pâque avec Jésus. Ils ont mangé la Sainte Cène avec Jésus. Jésus a soufflé sur eux. Vous comprenez? Jésus a soufflé sur ses disciples. Vous avez lu ça dans la Bible. Alléluia. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Jésus lui a fait cette promesse. Mais Jésus dit, ça ne suffit pas. Que tu aies mangé mon corps, ça ne suffit pas. Que tu aies grâce avec moi, ça ne suffit pas. Que j'ai soufflé sur toi, tu es tombé, ça ne suffit pas. Maintenant, attendez la promesse. Avant de sortir, attendez. Elle va venir, un revêtement qui va vous couvrir. Après ça, allez. Si tu n'es pas revêtu de puissance, tout partout tu vas faire échec. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. L'œuvre de Dieu ne se fait pas avec la force de l'homme. L'œuvre de Dieu se fait avec la force de Dieu. La puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu. Comment est-ce que tu peux aller parler de Dieu si Dieu ne t'a pas habillé? Dans une armée, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de terre, et puis il y a l'armée de mer, c'est ça, non? Bon, tout cela. Écoutez-moi bien. Si tu prends un général de l'armée de terre, pour lui dire, bon, on fait comment? Il y a des avions. Est-ce qu'il connaît comment bombarde? Lui, il peut utiliser les chars. Mais l'autre, là, il doit pilote. Il doit connaître. C'est son travail. L'autre, là, qui est sur la mer pour gérer les navires, lui aussi, il connaît son domaine. Tu as déjà vu un pays qui a pris un policier pour aller en guerre? Le policier a un pistolet, mais il assure la sécurité, mais il ne fait pas de guerre. Pourquoi? Parce que dans l'armée de Dieu, chacun doit porter son habit. Si tu n'as pas l'habit de ta fonction, tu crées un désordre dans le pays. Quand le policier veut faire le travail du gendarme, c'est un désordre. Quand le douanier veut faire le travail du gendarme, c'est un désordre. Chacun doit être dans son revêtement. Chacun doit porter son habit. C'est pourquoi la Bible dit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Il a dit des langues de feu sont descendues. On n'a pas dit une langue de feu. Des langues de feu. Et sur chaque tête, il y avait un feu. Ça veut dire que chaque tête avait son feu. Donc le feu de l'apôtre n'est pas le feu du prophète. Et le feu de Paul n'est pas le feu de Pierre. Le feu de Pierre n'est pas le feu de Jean. Pourquoi? C'est selon le niveau, les grades, les classes. Ce que Dieu veut faire à chacun, c'est selon ça que Dieu donne le feu. Donc, tu ne reçois pas ton feu parce que vous êtes ensemble. Tu reçois son feu selon ton appel, selon ton mandat, selon ta mission, selon ce que Dieu veut te faire. Fais avec toi. Donc, le revêtement est individuel et personnel. Et chacun doit chercher son feu. Ton feu n'est pas mon feu, mon feu n'est pas ton feu. Écoute-moi bien, j'ai des enfants spirituels. Tous ceux-là sont mes enfants. Je les couvre, mais ils transportent quelque chose de moi, mais ils ont leur feu. C'est unique. Écoutez-moi bien, homme de Dieu. Jésus a marché sous Moïse pour montrer que le feu de Jésus est différent de Moïse. Quand Moïse a fini et qu'il partait, c'est Dieu qui est venu parler à Jésus. Et Dieu dit à Josué, la manière j'ai été avec Moïse, je vais être avec toi. Mais toi, tu as terminé le travail de Moïse. Moïse avait un bâton, mais Josué n'avait pas de bâton.
Moïse était coloré, Josué n'était pas coloré. Moïse a marché dans le désert, Josué n'a pas marché dans le désert. Moïse n'a jamais arrêté le soleil, mais Josué a arrêté le soleil. Moïse n'est jamais allé à Canaan, mais Josué est rentré à Canaan. Si vous lisez l'histoire de Josué pour la conquête des villes, Josué était un guerrier terrible. Moïse était un leader de peuple, mais il n'était pas un guerrier. Oh. Tu peux sortir de quelqu'un et produire quelque chose d'une autre dimension. La personne t'accouche seulement dans le ministère et tu produis. C'est pourquoi quand ton père spirituel ne veut pas que tu le dépasses, c'est un sorcier. Alléluia. Parce que, écoute-moi bien, les grands accouchent des dimensions. Et ta dimension peut ne pas être la dimension de la personne qui t'a couvert. Mais seulement la personne doit reconnaître que c'est ton fils, c'est ma fille, c'est mon enfant. C'est ça qui fait ta fierté. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas que quelqu'un que tu as couvert te dépasse? Vêtements, enfermez-vous jusqu'à ce que vous ayez la chose de Dieu avant de partir. Alléluia. Ne te presse pas. Dans cette génération, ne dis jamais on m'a dépassé. Écoutez-moi bien. Le travail de Dieu, ce n'est pas une course, c'est une marche. Dans le monde de l'esprit, on court en marchant. Dans le monde physique, on court. La course de l'évangile, la course de la marche, c'est une marche. La Bible dit que Noé marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Abraham marcha avec Dieu. Vous comprenez? On n'a jamais dit qu'ils ont couru. Mais regardez ce qui s'est passé. Que Jésus est mort. Et qu'on est venu annoncer que Jésus est mort. La Bible dit que Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, vous voyez les gens, on aime trop, on t'a aimé mais tu n'as pas l'appel. Beaucoup d'hommes de Dieu échouent dans le ministère parce qu'ils vous disent, il faut aimer une femme et puis l'épouser. Non, n'épouse pas une femme que tu aimes dans le ministère, épouse une femme qui est appelée. Être femme de pasteur, c'est un appel, c'est pas une question d'amour. Si tu n'es pas appelé, tu ne peux pas supporter. C'est trop de choses. C'est un ministère à part entière. Tout le monde peut être femme de pasteur. Tout le monde peut être femme de pasteur. C'est pas une question de tu m'aimes, je t'aime, non. C'est une question d'appel. Et la personne est capable de gérer. Bon, quelqu'un comme moi, là, tu vas me gérer comment? J'ai un programme bouclé jusqu'en mars 2023. J'ai déjà parcouru combien de pays? Me mettre dans combien d'aéroports? Je chasse combien de démons par jour? Il y a combien de personnes qui appellent pour prier? Toi, tu gagnes combien de temps à moi? C'est un appel. Si tu n'es pas appelé pour ça, tu vas me voir comme un sorcier, comme un faux mari. Pourtant, je suis un bon mari. C'est pourquoi commencer à bien prier. C'est l'appel. C'est un appel. Et Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, quand il a entendu que Jésus est ressuscité, il court pour aller dans la tombe. La Bible dit qu'il est arrivé quelque part, il s'est arrêté, il n'a pas continué. Pierre qui a été appelé à marcher, à dépasser qui court, est rentré dans le tombeau, a pris le linceul, est sorti, et alors Jean lui va rentrer. Celui qui a couru n'est pas rentré. Mais celui qui a marché dans l'appel est rentré avant celui qui a couru. Ne presse pas. Les gens m'ont dit, les gens ont pris toute la place ici dans ce pays, ils n'ont plus quelle place. Quand les
l'évangile vrai se présente, les bruits se taisent. Quand Jésus-Christ est annoncé, les gens s'assèdent pour écouter. Tu as fait des miracles, mais tu ne connais pas le Jésus dont tu parles dans tes miracles. Tu as rassemblé des foules, mais ton Jésus là, tu vas te rendre compte qu'il y a différence. Parce que le Jésus que moi je prêche, c'est dans ma marche avec lui que je prêche. Ça fait des années, j'ai souffert. Je n'ai pas mangé à certains moments. Dans ça, j'ai payé le prix. On m'a persécuté. On a voulu me tuer dans ça. Ce Jésus que je prêche, je n'ai pas connu de l'argent. Je n'ai pas eu du temps. Mais maintenant que je le démontre, tu ne peux pas venir me dire que tu es une fou. Parle-moi de quel Jésus tu es avant de parler de fou. Avant que tu me présentes ta fou, parle-moi de ton évangile. Quel est le Jésus que tu prêches? Le ressuscité ou bien celui qui bénit? Le ressuscité ou bien celui qui donne l'argent? On te conduit dans une grosse voiture, mais moi je transporte un grand Dieu. Il y a une différence. Tu roules une grosse voiture, mais moi je transporte un grand Dieu. Je peux monter dans ma taille et arriver. Et tu ne peux pas démontrer le même Jésus que moi. Jésus, vous devez avoir ça. Vous devez vous enfermer. Vous devez vous séparer de ce monde. Vous devez comprendre une chose. Il n'y a rien de bon que ce monde peut vous donner. Si tu n'es pas revêtu, tu n'as pas de renommée. La Bible dit, sa renommée s'est répandue dans tous les pays de l'alentour. Il n'a même pas encore commencé à prêcher. On le connaît. Juste parce qu'il est revêtu, il n'a pas encore commencé à prêcher. Les gens ont entendu lui parler. Est-ce que c'est ça qu'il y a des gens? Dieu vient te parler dans ton chemin. Tu vas rencontrer mon serviteur. Tiens, il a une parole pour toi. Pourquoi? Parce que tu es revêtu. Si tu n'es pas revêtu, renommé, c'est le monde qui te donne. C'est l'acclamation du monde. Un jour au ciel, tu vas te rendre compte qu'en vrai, tes fidèles sont 45. Sinon le reste, c'est la publicité qui t'a donné. Facebook, YouTube, c'est ça qui t'a donné fidèle. Mais les vrais fidèles que tu as convertis sont 45. Parce que le revêtement que tu as, c'est ce que tu en donnes. Ne croyez plus à tout ce qui vous acclame. Croyez à ceux qui acceptent l'évangile que vous prêchez. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Et il doit rester Seigneur dans votre vie. Et partout où vous passez, on doit voir Jésus. Votre personne n'est rien. Vous n'êtes rien. Vous ne serez rien. C'est Jésus qui fait de vous tout. Considère-toi toujours comme un glorieux auprès de Jésus. Jésus est le 1. Tu es le 0. 10 ans après, tu continues de dire à Jésus, tu es tout. Moi, je ne suis rien. Un deuxième zéro, ça fait 100. 30 ans après, Jésus, c'est tout. Moi, je ne suis rien. 6 zéros. Plus tu es rien devant Jésus, tu n'es rien à côté de Jésus, plus tu te multiplies. 100, 1000, 10 000, 1 million. Plus il amplifie ta renommée, ta réputation. Ne te donne pas de valeur à cause de l'évangile. Ne te fais pas de considération. N'amène pas les gens adoré, n'amène pas les gens à croire que tu es quelqu'un. Tu n'es rien. C'est Jésus qui est tout. Homme de Dieu, comprends ça. Une fois pour te promettre ça dans ta tête, quel que soit le titre que tu as, tu n'es rien. Avant que tu ne sois prophète, c'est parce que le prophète des prophètes, Jésus-Christ, t'a envoyé. Le premier des apôtres, c'est Christ. Le premier des pasteurs, c'est Christ. Le premier des grands, c'est Christ. Toi, tu peux égaler Christ. Quelqu'un qui a vécu, regardez, je vous décris en quelques minutes. La Bible dit qu'on l'a annoncé 2000 ans avant qu'il ne vienne. Toi, à cause de prophétie d'un jour, tu es devenu pasteur, là, tu fais malin. Lui, là, on a parlé de lui 2000 ans. Les prophètes se sont succédés. Il viendra, il mettra, il viendra 2000 ans avant qu'il n'apparaisse. La Bible dit, le jour il est apparu. Dieu a averti des rois mages.
avec son étoile. Ils ont étudié, ils n'ont jamais vu l'étoile pareil comme ça. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à aller le trouver. Il est né d'une manière extraordinaire. Mais la naissance de Dieu est grave. L'apôtre Paul dit, je suis né dans le péché. Donc quand une femme t'accouche en bas, tu nais dans le sang. Et quand tu nais dans le sang, tu es né dans le péché. Donc si Jésus était né comme ça, ça veut dire qu'il est né dans le péché. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas comment il est né. C'est pourquoi Dieu l'a caché avec des brebis pour qu'aucune sage femme ne sache la naissance de Jésus. La manière il est venu mystérieusement, c'est comme ça il est né mystérieusement. On ne peut pas comprendre. Puisque Joseph, est-ce que Joseph a coupé le cordon? Il n'y a pas eu de sage femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait jusqu'aujourd'hui. Il n'est pas né comme toi et moi. Hein? Faut oublier ça. Il n'est pas né comme toi et moi. Jésus est né d'une manière mystérieuse. C'est pourquoi on allait l'accoucher quelque part où personne n'a vu. Mais regardez un homme comme ça. Son étoile trouve un roi. À 2 ans, on massacre tous les enfants, garçons, de 2 ans, à cause de lui. On n'a pas eu. La Bible dit, à 14, à 12 ans, quand il rentre dans le temple, il ouvre le livre d'Esaïe. Quand il finit de lire, tous les patriarches qui ont étudié la théologie, les études, dit, quand un enfant de 12 ans qui parle comme ça, jamais un homme n'a parlé comme lui. Il n'était pas encore un homme. C'était un garçon de 12 ans, mais on le traitait homme déjà. La Bible dit que mon Jésus, que toi tu presses là, et que tu prends pour faire diger, le Jésus que tu prends pour jouer, prophétiser, professeur, parle. Tu parles de qui? Moi, mon Jésus. Ce Jésus-là, la Bible me dit qu'il a vécu d'une manière extraordinaire. Il a parlé d'une manière extraordinaire. Ses disciples l'ont regardé, mais qui est cet homme? Même les vents lui obéissent. Il a marché sur la mer. Qui a une fois annoncé sa mort et sa résurrection et ça s'est passé? Il leur a dit, je vais revenir. Je vais mourir, je vais ressusciter. Depuis que tu es né, qui t'a dit, je vais mourir, je vais ressusciter? C'est lui, il a dit, il est revenu. Ils l'ont vu, son histoire est réelle. Écoutez, les gens nous ont parlé des grands prophètes, de tous les prophètes. D'autres là, on ne parle seulement, on ne sait pas ce que le temps même. C'est caché, c'est devenu mystérieux. Mais nous, notre Jésus, la tombe est vide. Aujourd'hui, les gens vont visiter, ils regardent. Jésus a vécu comme un homme simple. La Bible dit que son habit qui portait était sans couture. L'homme n'a pas le droit de mettre des aiguilles dans son habit. Un fin lin, la royauté. Il portait un habit sans couture. Il n'a pas besoin de l'aide de la main de l'homme. Tout ce qu'il faisait était unique. Et la Bible dit que moi, mon Jésus, que toi tu prends pour jouer là. Mon Jésus, quand il dit je vais mourir et puis je vais revenir. Le vieux là, on a regardé petit. Tu fais combien d'années après pour vos ans? Il a réapparu. Et pour prouver aux gens que ce n'est pas un fantôme, il a mangé du poisson avec ses disciples. Il est rentré dans une porte sans qu'on ouvre la porte. Il a apparu au milieu de ses disciples. Il n'a pas laissé des traces. Quand il est ressuscité avec les traces pour montrer que moi je ne triche pas. Mon histoire reste identique. Quand Thomas ne croyait pas, il dit, regarde, mais j'ai gardé les traces. Quelles sont les traces de ta marche avec Dieu? C'est où tu étais percé pour qu'on sache quel est le prix que tu as payé pour l'évangile? Votre
l'évangile de stabilité, de social, de vie stable, moi je ne suis pas dedans. L'évangile, c'est le sacrifice, c'est le prix payé. L'évangile, c'est la croix. L'évangile sans la croix, ce n'est pas de l'évangile. Jésus n'a jamais dit monter sur ma croix. Et celui qui veut me suivre, prenne sa croix et me suive. Où est ta croix? Et Jésus, il monte au ciel et redescend. Regardez le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il y a plus de 2000 ans que Jésus est parti. Mais c'est comme si le monde ne vivait pas. Si tu vas aujourd'hui, on dit l'an 2022, ça a commencé à compter à partir de Jésus. Même s'il ne croit pas en Jésus, le temps est rentré dans le temps, dès dans sa saison, depuis l'apparition de Christ. On ne parle pas de Dieu, on ne parle pas du temps sans Jésus. S'il y a 2022 aujourd'hui, il y a 2022 que Jésus est mort. Et jusqu'à la fin du temps. Pourquoi est-ce que les païens qui ne croient pas en Jésus, leur temps est géré par l'apparition de Christ? Ce Jésus, il n'a pas créé d'église, il n'a pas créé d'université, il n'a pas écrit un livre, il n'a rien fait. Mais à cause de ce qu'il est, regardez aujourd'hui, les églises partout dans le monde entier, les universités qui portent son nom, les livres en son nom, regardez qui est cet homme. Mon Jésus dont je te parle, Israël était Israël avec des prophètes. Mais aujourd'hui, Israël est une nation puissante à cause de Jésus. Des millions de personnes. Il n'y a aucune montagne en Israël pour aller visiter. Il n'y a aucune forêt pour aller visiter. Il n'y a pas de rivière en tant que tel, ce n'est que le rocher. Mais le nom de Jésus fait que des millions de personnes foutent tous les jours la terre d'Israël. Des gens donnent de l'argent, des milliers de dollars pour soutenir ce pays à cause de Jésus. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le temps est réglé en son rythme. Et la Bible dit, il revient bientôt. Et tout ce qu'il a dit, c'est à l'horizon. Tu regardes tout se passer autour de toi. C'est ce Jésus-là que toi, tu prends pour faire du commerce. C'est ce Jésus que tu prends pour jouer, qui est devenu un instrument dans ta main. Tu ne sais pas de qui tu parles. Et la Bible dit, revêtu de puissance, ça remet est parti. Quand la puissance de Dieu est sur toi, il ne parle pas de toi, Dieu parle de toi. Arrêtez de dire aux gens, tu sais qui je suis dans ce pays. Montre-nous ce que Dieu fait avec toi. Et on saura que Dieu est avec toi. Quand la génération nous témoigne de ce que tu leur as apporté. Arrête de bavarder là. Combien tu as mis dedans? Comment tu l'as mis? Quelle énergie, quelle force tu as mis? Quelle capacité tu as mis? Revêtu de puissance. Il te faut un revêtement. Tu as oublié de partir chercher Dieu. Si je prie avec toi ce soir, ta manière de chercher Dieu est trop faible. Écoutez-moi, on ne peut pas brancher des appareils de haut niveau sur un petit courant. Si tu veux construire un quartier, il faut aller chercher haute tension. Je suis en train de faire une église. À cause des appareils qui sont dans l'église, l'abonnement de courant a dépassé 2 millions. C'est abonnement simplement. Parce que les appareils qui sont dedans, c'est trop lourd. Si tu prends 4, ça, même courant, lumière là, 4 ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a trop de lumière. Comment est-ce que toi tu veux transporter un Dieu qui peut changer une génération, une famille, un pays? Et puis, ton courant, ça ne peut même pas brancher un frigo. L'onction que tu transportes ne peut pas brancher deux frigos, ça saute. Parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Quand tu n'as pas assez d'énergie, quelque, tu mets des appareils chez toi, on met ça saute. Il y a des chrétiens qui viennent chez toi, tu n'as pas ce qu'il faut, ils partent. Parce que tu ne cherches pas Dieu. Tu ne t'enfermes pas. Ton jour de jeûne, ça ne suffit pas.
tes nuits de prière, ça ne suffit pas. Les prédications, ça ne suffit pas. Tu dois augmenter ta consécration. Il te faut assez d'énergie. Tu sais ce qui se passe dans ta famille. Tu connais la sorcellerie qui est là-bas. Tu fais 3 jours de jeûne seulement pour être délivré. Homme de Dieu, Dieu t'a donné une grande vision, femme de Dieu. Quelle est ta vie de consécration? Combien de temps tu fais dans la prière? Tes genoux pleurent combien de fois? Ne me parlez pas d'une bonne prédication. L'éloquence n'est pas l'onction. L'onction, une bonne prédication, c'est ce qui est accouché à genoux. Quand tu as passé 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures en prière et que tu prêches, le fidèle n'a pas besoin d'être devant toi. Il entend la prédication, il donne sa vie à Jésus même sans te rencontrer. Et Jésus te récompense derrière parce que tu transportes la puissance de Dieu. Dieu a besoin des gens consacrés. Des gens qui vont payer le prix. Des gens qui vont payer le prix du don. Tu dois être revêtu. Ce que tu as n'est pas assez. Tu ne peux pas gagner des gens avec ça. La puissance de Dieu est disponible dans ce pays. On ne peut pas faire reculer les ténèbres avec mon bavardage. On doit démontrer Jésus-Christ Seigneur. Les morts doivent ressusciter. Les aveugles doivent voir. Les sourds doivent entendre. On doit apprendre en Côte d'Ivoire. Dans tel quartier, il y a un pasteur qui ressuscite des morts. On doit entendre quelque part. En Côte d'Ivoire, il y a un pasteur en ville ici. Quand tu vas, quelle que soit ta maladie, tu es guéri. On doit apprendre en Côte d'Ivoire. Il y a un pasteur ici, quand il dit quelque chose, ça arrive. C'est ça qui va amener le réveil. Ce n'est pas un pasteur qui vit une bonne vie. Un vrai pasteur doit mourir. Et un mort ne sait pas avoir une bonne odeur. Quand tu es mort, tu sens. Quand tu es mort en Christ, tu ne cherches plus une bonne réputation. Ta réputation est morte en Christ. Tu meurs en Christ. Ce qu'on dit ne t'intéresse plus. C'est ce que tu vas faire avec Dieu. Où tu vas aller avec Dieu. Et ce que Dieu peut faire avec toi. Est-ce que Dieu peut compter sur toi dans ces générations? Est-ce que tu peux accepter de payer le prix? D'ajouter un peu encore de temps à tes temps de prière, à tes temps de jeûne. Un jour, j'ai rien de mon fils, pasteur, qui me dit, papa, ma femme prie trop. Elle ne dormait pas à côté de moi. Il me faut dire merci à Dieu. Toi, tu as une femme qui a la crème de Dieu qui prie beaucoup. Tu veux qu'elle soit dehors? Un bébé, les démons qui sont dans ta famille, toi, tu ne peux pas combattre. Malgré qu'elle prie là, c'est là que tu vas manger. Il ne faut pas fermer ta bouche, laisse la femme la prier. Aujourd'hui, quand vous trouvez des gens qui prient, ils vous ennuient. Tu trouves quelqu'un qui aime Jésus. Et c'est toi celle qui est chrétien. Et c'est pas des gens qui sont chrétiens, mais toi, il faut te calmer un peu là. On n'est pas même chose. On n'est pas venu chercher la même chose. Si toi tu veux vivre dans une case avec une petite ampoule et dire gloire à Jésus, moi je suis une lampe pour éclairer ma génération et il me faut assez d'onction, il me faut assez d'énergie. Je ne suis pas né seulement pour mourir comme un homme. Je suis né enfant de Dieu, je vais mourir enfant de Dieu. Je ne mourrai plus comme un homme. Je ne mourrai plus, je ne partirai pas. Je ne quitterai pas la terre des hommes comme un homme. Je quitterai la terre des hommes comme un homme de Dieu. Je refuse. Je refuse. Et je veux que tu comprennes. Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, qu'est-ce que tu fais avec la sémence de Dieu? Le vêtement que tu vas recevoir, tu vas faire quoi avec? Combien de personnes peuvent sauver, peuvent gagner le ciel parce que toi, ton histoire les a bouleversés? Ton témoignage les a bouleversés. Quand j'entends ici et là l'intelligence pour gagner l'argent, quand Jésus a eu besoin de l'argent, il n'est pas allé à la banque, il a pris l'argent dans la bouche du poisson. Quand tu as la chance de Dieu,
ça ne t'intéresse pas. Les choses sont à ta disposition. Oui. Aujourd'hui, on va prier. Tu vas te lever là où tu es. Toi-même, tu vas parler à Dieu. Qu'est-ce que tu cherches? Quelle est cette onction que tu cherches? Quel revêtement tu veux? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse avec toi? Toi-même, parle. Toi-même, commence à parler à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse avec toi? Où tu veux que Dieu t'amène? Homme de Dieu, femme de Dieu, ouvre ta bouche, parle à ton Dieu. Parle à Dieu, cette tentation sera vaincue. Tu ne vas pas succomber à la tentation de ne pas avoir mangé, à la tentation de loyer un payé, à la tentation de mettre mes bagages dehors, à la tentation de ce que quelqu'un m'a quitté. Ce qui sera plus important pour toi. Regardez, homme de Dieu, regardez ceci. Croyez-moi, partout où je suis, et Dieu doit faire quelque chose d'extraordinaire, il pleut. Regardez, il est en train de pleuvoir. Donc faites très attention. Quelque chose va se passer dans cette salle. Et priez bien. Demandez, Dieu va vous donner. Lève la voix. Parle à Dieu. Dis à Dieu. Là, quelque chose va se passer. Quelque chose doit commencer. Un revêtement. Parle à Dieu. Demande au Seigneur comment tu veux qu'il te revête. Demande à Jésus ce que tu sais qu'il croit qu'il va faire avec toi. Parle à Jésus. Parle. Une nouvelle dimension. Que ta présence moi devienne. Parle à Dieu. Que ta présence moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence moi devienne. Que ta présence moi devienne peuple. Je veux une autre dimension de toi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, parle à Dieu. Dimension de ton chœur. La dimension de gloire. Dis à Dieu. La dimension de puissance. Tu dois être la dimension. Quelque chose va fonctionner. Amen. Qui sont ceux qui ont leur bouteille? Si tu as ta bouteille, soulève ta bouteille. Ouvre la bouteille. Je n'ai ni or ni argent à vous donner. Ce que j'ai, je vous donne au nom de Jésus.
ce que Dieu m'a donné pour ma génération, ce que Dieu m'a donné pour que son église brille, puissante, pour que des hommes de Dieu prêchent l'évangile avec des signes, les hommes aillent en conquête dans les villes et régions contrées, et que Dieu cherche et Dieu veut envoyer l'église de la Côte d'Ivoire en mission dans toutes les nations. Dieu attend de voir dans les pays des pasteurs ivoiriens prendre certains pays avec un grand réveil. C'est une des missions pour laquelle Dieu m'a ramené au pays. Et si tu es ici, ce que tu as, ma prière, c'est que cette huile devienne une huile consacrée. Et que de là où tu es, l'onction te propulse jusqu'aux extrémités des nations. Là où jamais un Ivoirien n'a fait un exploit, que Dieu t'amène là-bas. Et que tu ramènes les richesses des nations en Côte d'Ivoire. Que cette huile soit désormais une huile consacrée. Que le message que j'ai prêché ce matin s'incarne dans cette huile. Que cette huile te donne la capacité de résister au diable, à l'ennemi, aux tentations de l'ennemi. Que cette huile s'établisse sur un territoire plus grand que ce que tu as. Que cette huile combatte les ennemis de l'évangile. Que cette huile donne à la terre de te laisser prêcher l'évangile librement. Que cette huile ordonne aux ennemis de l'évangile là où tu es établi de céder le passage, et quiconque s'opposera à ton ministère, que la terre ouvre sa bouche pour la vallée. Mettez un peu de cette huile sur votre tête et fermez la bouteille. Rangez bien. Mets juste un peu sur ta tête. Prends un peu pour ne pas trop te mouiller. Tu mets un peu d'huile sur ta tête, tu fermes bien la bouteille et tu ranges. Range bien pour ne pas que ça se casse. Elia, ta bouche. Elia. Elia,
Voici la main de Dieu, si un instrument que Dieu m'a utilisé puissamment. Ta vie ne sera plus jamais la même. Là où tu es maintenant, le ciel vient à ta rencontre. C'est l'heure de l'onction. C'est l'heure de la puissance. L'Éternel te couvrira. Son ombre te couvrira. Sa puissance te couvrira. Dieu va t'équiper pour t'envoyer. Il va t'équiper pour t'envoyer. Il va t'équiper pour t'envoyer. Dieu va t'équiper. Voici la main de Dieu sur toi. Si la main de Dieu. Ce lieu va trembler ce matin. Les gens seront tellement remplis, tellement loin. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'être mort au milieu de nous. La même puissance
qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est au milieu de nous ce soir. Voici la main de Dieu. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Dieu va t'utiliser. Dieu va se servir de toi. Dieu va t'utiliser. Il va se servir de toi. Tu es un instrument en ses mains. Tu es un instrument en ses mains. Voici l'esprit. Voici la main de Dieu. Rende le brassi dans la main. Ça va devenir violent. Ça va devenir très violent. Ça va devenir très violent. Tu ne peux pas contenir la présence de Dieu. Dieu veut t'utiliser. Il veut partir avec toi. Sa main sur toi. Sa main sur toi. Il va aller avec toi. Il va aller avec toi. Tu vas guérir les malades. Tu vas prophétiser. Mais va faire des miracles. Des signes vont accompagner ton ministère. Que tu dois accoucher maintenant, tu sens ça maintenant. Qui est son parent? Cette femme, en même temps que l'onction s'est déclenchée, elle sent d'enfanter. Elle veut accoucher maintenant. Vous pouvez l'accompagner? Accompagnez-la rapidement. Femme, tu vas accoucher cet enfant sous la puissance de Dieu. Accompagnez-la rapidement, sinon elle va accoucher dans la voiture. Aidez-la, sinon elle va accoucher dans la voiture. Soyez rempli.
que je vais prier pour vous. Venez avec votre bouteille vous-même. Tu es pasteur. Chacun a sa bouteille dans sa main. Mais je ne vais pas utiliser une autre huile. C'est ton huile que je vais utiliser. Est-ce qu'il y a des enfants spirituels et ces pasteurs qui sont dans la salle? Vous mettez à côté de votre pasteur. Pour prendre sa bouteille d'huile. Tu mets juste derrière ton pasteur. Dès qu'on finit de le moindre, tu prends sa bouteille. Homme de Dieu. La puissance du Saint-Esprit va localiser ton ministère. Ce ministère ne sera plus jamais le même. Tu partiras et tu feras des exploits. Dieu travaillera avec toi. Si j'étais moins, ton huile, j'ai prié. Tout dépend de ce qui se passe. Vous les aidez juste à se mettre à côté afin que je puisse prier pour tout le monde. Amen. Ce que j'ai reçu de Dieu, je te donne au nom de Jésus. Que Dieu t'utilise comme un instrument de réveil. Ferme bien ta bouteille. Attention pour ne pas. Ce que j'ai reçu de Dieu, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu de Dieu, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Seigneur, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu de Dieu, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Si tu es moins de Yahvé, tu es parti. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus, va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus, va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus, va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus, va et sois un instrument de réveil. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus. Va et sois un instrument de réveil.
Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus, va et sois un instrument. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne, va au nom de Jésus et sois un instrument. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne, va et sois un instrument. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne au nom de Jésus, va et sois un instrument. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne, va et sois un instrument au nom de Jésus. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne, va et sois un instrument au nom de Jésus. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne, va et sois un instrument au nom de Jésus. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, je te donne, va et sois un instrument au nom de Jésus. Nous ne voulons assumer. Que donne va et soit un instrument. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. Si naturel. Que donne va et soit un instrument. Elle ne tue. Que j'ai reçu du Saint-Esprit. Je te donne va et soit un instrument. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. Je te donne va et soit un instrument. Je suis Saint-Esprit. S'arrêter. Ce matin, Seigneur, en venant ici, mais là c'est arrêté. Seigneur, je déclare que cet avortement s'arrête. Cet enfant naît sous l'onction prophétique. Elle ne perdra pas cette grossesse. Je commande à ses pieds maintenant même de retrouver la vigueur et la force. Je commande à ses reins de reprendre leur position. Bébé, tu es en bonne position parce que tu vas servir l'Éternel. Tâche
cet esprit maintenant. Je commande à tes reins. Je donne à tes trompes de prendre bien cet enfant. Je commande au nom de Jésus à tes jambes, à tes pieds maintenant de se redresser et tu retrouves la vigueur. Et cet enfant va naître normalement sous une onction puissante et servira l'Éternel. Cet enfant sera dans la louange et dans l'adoration et sera un témoignage dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Je déclare au nom de Jésus que cette grossesse reste. Et cet enfant sera accouché. J'arrête cet esprit d'avortement maintenant. Au nom de Jésus. C'est fait. Fais-la lever un peu. C'est fini, madame, tu ne vas plus saigner. Tu sens la douleur dans tes pieds? Tu sens encore comme avant? Tu ne pouvais pas marcher toi seul. Tu peux essayer de marcher toi seul. Sans le bâton. Sans qu'on te tienne. Viens, tu peux venir un peu. Voilà, c'est fini. C'est fini. L'enfant va rester, maman. C'est fini. Va à ta place. C'est fini. Tu vas la coucher et puis tu vas témoigner. Merci. Que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Où est la femme enceinte qui voulait la prière? Mon destin. Amenez la servante tellement qu'elle allait se coucher. C'est pour qui j'ai prié tout à l'heure. Elle n'est qu'à rentrer, aller se coucher, clairement. C'est fini. On est à la maison, on n'a qu'à se coucher. C'est fini. Donne-moi. Je te regarde, moi. Tu attends déjà. Là, partout, il y a la puissance de Dieu, Dieu travaille. Ouais, l'autre, tout à l'heure, elle était. Son mari a passé, elle était là, la puissance de Dieu a déclenché l'accouchement en même temps. Elle sentait déjà. S'il y avait peut-être des gens qui connaissaient peut-être. C'est pourquoi là où il y a l'onction, Dieu fait des choses. Amen. C'est bon. Sur moi et je suis disposé à sauver de ton action. Bébé, tu viens, tu nais naturellement. Et cette semaine ne finisse pas pour prier. En bonne santé, sans césarienne, tu ne prends pas le cordon. Tu nais avec joie et tu laisses ta maman en bonne santé. Au nom de Jésus, c'est fait. Et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce moment. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce moment. Voilà. Je suis disposé à souffrir de ta compassion. Je suis l'éternel. Donne le micro, toi tu dis son nom, je le... comme ça sonne bien. L'éternel. Sur moi, je suis disposé. Dis le nom fort. Donne le micro, je veux entendre ça. Dis avec autorité et force. Zabo Golou Christopher. Sous l'onction du Saint-Esprit, tu as gagné. Tu as gagné dans quel hôpital? Au CHR, précisément, maintenant, tu es dans le coma. Je prends appui sur ton père spirituel, ton père biologique.
Je déclare au nom de Jésus que tu sors de ton état comateux. Si celui-ci t'appelle, tu réponds. Fais! Sors de ton état comateux. Reviens à la vie. Dis encore le mot, toi avec autorité. Zabo Gou Christopher. Une fois encore dit. Zabo Gou Christopher. Une troisième fois. Zabo Gou Christopher. Au nom de Jésus, tu quittes le séjour de mort, tu viens à la vie. C'est fait. C'est quoi? Qui est l'enfant? Oui, mon frère, en fait, il faut l'enfant. Mais quand c'est fait, il ne réagit pas. Et vous autres? Je veux servir le Seigneur, mais je n'arrive pas. Ok. Donc, je veux que vous priez pour moi pour que je puisse. Oui, mais vous avez reçu l'onction, non? Oui, j'ai reçu. Il avait envoyé une j'ai plus. Non, bon, j'étais venu parfois à la réception, je ne savais pas qu'il y avait de. Il y avait un programme ici. Ah, ok. J'étais venu voir le prophète. Ok. Et vous? Oh, moi, c'est par rapport à ma tête et puis mes yeux. Tes yeux? Tu ne vois pas? Si, je vois, mais souvent, ça me fait mal. Ça me donne des céphalées. Ok. Moi, mon bébé a 3 ans, il ne marche pas. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, mon ventre grossit. Simplement. Mon arrière-petit-fils. Il a quoi? La malformation, il ne parle pas bien. Il ne parle pas? Il ne parle pas bien. Non, mais Nico, vas-y, quelque chose, je veux voir. Il comprend le français? Ok, dis bonjour, petit. Bonjour, tonton. Dis Jésus est Seigneur. Je suis Daniel. J'ai faim. Je te. Non, j'ai faim. C'est comme ça, il parle quoi. Ok, attendez. Alléluia. J'ai prié pour les malades. Attendez. Le Dieu que nous savons est un Dieu de miracles. Donne-moi. C'est ton église, donc donne-lui.
Le Seigneur là, tu peux. Je viens prier pour les malades. Le Dieu que nous savons est un Dieu de miracles. Saint-Esprit de Dieu, c'est l'heure des miracles. Tu as vaincu la mort à la croix de Golgotha. Et par tes infinités, tu nous as guéris de toutes sortes de maladies. J'arrache les maladies de mon corps. Je les cloue à la Golgotha. J'arrache toutes les infinités dans le corps. Je le cloue à la croix de Golgotha. J'arrache les infinités dans le corps. J'arrache toutes les maladies. Et je le cloue à la croix de Golgotha. Éternel, tu es le Dieu des miracles. Il y a un mal où n'entendez pas. Ce que vous ne pouvez pas faire, Seigneur, mets là et utilise-la. Que le feu se réveille. Au nom de Jésus. Et ses oreilles s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Toute maladie, je détruis tout ça de maladie. Guéris, pas. Nom de Jésus. Jésus.
Seigneur mon Dieu, je m'élance cet esprit. Je dis mon Dieu, donne la force à ces membres. Attendez la force à ces membres. Et donne à cet enfant de se lever et de marcher. Au nom de Jésus. Là, toi œuvre des ténèbres, toi qui sièges dans son ventre, aujourd'hui est ta fin, tu sors, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu vas lâcher. Je prie mon Dieu que ta puissante main soit sur cet enfant. Toi qui fais lever les paralytiques. Depuis sa naissance, il n'a jamais marché. Fais le marcher. Ça va un peu. Vous essayez de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Comment vous pouvez vous rendre compte que ça va? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Les oreilles me démangent. Tout le corps même est malade, papa. Les oreilles me démangent. Quand ça me démange, j'utilise le cotonnette beaucoup de fois. Et quand je tourne, même le sang. Tu sens. Et quand ça te démangeait, quand tu venais ici? Ça fait un peu. Mais après la prière, qu'est-ce que tu sens? Là, je me sens bien. Tu te sens mieux. Mais ça fait combien de temps que tu as ça? Depuis 2015, quand je suis tombée malade. 2015? Oui. Bon, ça fait 7 ans. Oui. Et tu sais que Dieu t'a guéri, maman? Tu ne verras plus jamais ça. Amen. Va en paix. Amen. Dieu t'a guéri. Ma fille, ta fille entend. Comment tu vas tester? Sinon, ta fille entend. Elle dort.
Comment on l'appelle? Liliana. Ok, il faut lui dire les choses, on va. MH, non, il faut lui parler de venir vers moi. Et elle veut pas. Ok, tu pries ici. Dieu l'a touché, Dieu l'a guéri. Madame, vous ne pouvez pas vous distinguer de loin. Hein, donnez-lui le micro. Oui. Je vois un peu. Vous n'entendez pas bien et vous ne pouvez pas distinguer de loin. Non, je n'ai pas distingué. Mais maintenant, vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ça fait combien d'années que vous avez ça? Oui, oui, je vous entends très bien. Ça fait combien d'années que vous avez ça? Je n'entends pas bien. Non, il ne faut pas. Ça fait combien d'années que vous ne pouvez pas voir de près ni entendre? Ça fait 10 ans depuis 2012. 10 ans. Et là, vous me voyez? J'essaie de voir un peu le visage, sinon je n'arrive pas trop à distinguer. J'ai porté quoi? La couleur de l'habit que j'ai porté? C'est la couleur jaune. Et qu'est-ce que j'ai mis sur mes yeux? Les couleurs, la monture? Je ne vois pas bien le visage. Le, ici, oui, mais la monture, ce qui est là, c'est quoi? Non, là, je ne vois pas. Mais tu m'entends? Elle ne pouvait pas entendre ni voir de loin. C'est ça, hein? Touch! Reculer. Fais-la reculer un peu. Encore. Encore. Bon, vous m'entendez? Donne le micro. Répétez ce que j'ai dit. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. J'ai faim. J'ai faim. Avancez encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amène-le là au fond encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est Seigneur. J'ai faim. Ça fait combien d'années que vous ne pouvez pas entendre de loin comme ça? 10 ans. 10 ans. Que vous ne pouvez pas entendre de loin. Oui, j'entends. C'est-à-dire que personne ne peut parler dans cette distance, vous allez entendre, il y a 10 ans de cela. Qui la connaît bien? C'est vrai? Vous pouvez témoigner qu'elle peut pas. C'est ta belle-mère. Donc tu peux témoigner qu'elle ne peut pas entendre. Waouh! Bon, maintenant, maman, essaie de regarder qu'est-ce que j'ai porté. Donne-lui le micro. Bon, qui a arrêté ici? Je n'ai pas entendu. Qui a arrêté? Il a porté un habit jaune. Parle dans le micro, moi je t'entends. Qui a arrêté là? Je ne vois pas la personne qui a arrêté là. La personne qui a arrêté ici, c'est qui? Je sais qu'il y a quelqu'un qui a arrêté là, mais je n'arrive pas à distinguer la personne. Au nom de Jésus, je donne à tes yeux de démarquer maintenant et de voir authentiquement
totalement et de discerner cette personne. Au nom de Jésus, fermez vos yeux une fois, ouvrez une fois, fermez une fois, ouvrez une fois, fermez une fois, ouvrez une fois. Regardez. Dites-moi qui est là. Pasteur, je vois quelqu'un.